Cette cérémonie, je la voulais un peu différente de l'année dernière. Vous le verrez, le climat n'a pas changé, mais le ton de cette cérémonie a changé. Petit film. Hé, regarde, regarde! Non mais t'as vu le boudin? Très élégant, très élégant! Oh mais non, mais le tableau! Ah, jolie toile en effet. Une acquisition de Kosen Aglo. Je connais pas. Quoi? Non mais t'es au courant qu'il n'y a pas que Caen, Rouen et Le Havre en Normandie? Comment ça? Bah, et la Normandie se réinvente ici, the place to be, non? Ah ouais, donc faut tout reprendre depuis le début, là. Eh ben, c'est parti! Alors déjà, Kosen Aglo, sa position stratégique, tu situes? Ouais. Ok, au 1er siècle, les Romains fondent Juliobona, ancêtre de l'île Bonne. Avec le port au bord de la Seine, ils peuvent commercer vers la mer et dans les terres. Ah. Au 8e siècle, les Vikings envahissent les boucles de la Seine normande et s'y installent. Au fil des siècles, de magnifiques abbayes sont construites. Oh, j'adore! 19e siècle, Victor Hugo et les impressionnistes viennent trouver l'inspiration dans les paysages de la Seine. Ah ouais, d'où le boudin. 19e siècle et 20e siècle, ouais. La vallée se développe grâce à l'industrie textile puis pétrochimique. Ok. On l'appelle même la vallée d'or. Oh. 1972, on économise l'eau des nappes phréatiques en alimentant les usines à partir de la Seine. C'est l'eau industrielle, une première du genre. Ah ouais! Et aujourd'hui, c'est ici, sur l'axe Seine, que se préparent les plus gros projets d'implantation. La chimie de demain sera décarbonée, l'énergie responsable et l'économie circulaire. Bref, est-ce que tu sens comme c'est un territoire qui est façonné par sa géographie et son rapport à l'eau et au fleuve? Tu sens comme ça bouge ici? Ah ouais! Ça bouge même drôlement bien, t'as raison! Et je veux que ça continue de bouger en 2024! Tout le monde sur le pont! Un peu de nerf, Moussaillon, c'est toi qui as raison! Nous aussi, on va façonner le territoire! Kosen Aglo, nous voici! Oui, mais attends-moi quand même! Attends! Excusez-moi, je souris encore, parce que quand j'ai vu ce petit film, j'ai demandé à mes services, les deux derniers, là, dans les personnages, il n'y a pas moi quand même, surtout celle qui dit « secouez-vous ». En tout cas, mes copines Catherine et Liliane m'ont failli me faire renoncer à monter sur scène, parce que je crois que tout a été dit dans ce film. Je plombe pas l'ambiance comme l'année dernière. Je vous avais évoqué que depuis 100 ans, rien n'avait bougé. J'ai envie de vous dire que depuis un an non plus, il n'y a pas eu de coup de baguette magique. Le dérèglement climatique, c'est notre quotidien. Cet été encore, des pluies torrentielles, une canicule, la tempête Ciaran. Et je voudrais ce soir forcément penser aux habitants du Pas-de-Calais et leurs inondations, de nouveau, encore et encore, surtout en cette fin d'année. Je crois que la question du dérèglement climatique n'a pas du tout été réglée. Cette planète nous questionne, nous interroge, nous demande comment veux-tu vivre auprès des fleuves, des rivières, comment veux-tu construire durablement, comment veux-tu te préserver de la chaleur, comment veux-tu te préserver de la fraîcheur aussi. Comment on fait pour préserver l'eau justement? Et ce film nous montre bien que le récit de notre territoire, il tourne complètement autour de l'eau, la Seine et ses affluents, les rivières, c'est vraiment l'histoire de notre territoire. Et puis Kosen Aglo, de ce fait, a une vraie responsabilité en la matière. Pourquoi? Parce que l'eau a façonné depuis 2000 ans le territoire, je venais de le dire. Parce que aussi, ce territoire, c'est un vrai bassin de vie vécu par les femmes et les hommes qui le peuplent. On a tous une histoire, mais aussi un destin en commun. Parce que ce territoire et les 50 communes qui le composent partagent une vision stratégique du territoire autour d'un développement économique vertueux, de repenser les mobilités, de faire face aussi aux dérèglements climatiques et des risques naturels, environnementaux, industriels. Et puis, je crois que nous devons surtout apprendre ou réapprendre à vivre avec ce fleuve, la Seine, que l'on aime tant. Il faut comprendre ses colères, il faut aussi en prendre soin et l'aimer, exactement comme Eugène Boudin l'a aimé. Et vous le verrez, le tableau de Boudin qui n'est pas ici ce soir, qui sera dévoilé au mois de juin, aime la Seine. Et M. Côte-Bec, je salue Bastien qui est là, parce que quand vous le verrez de près, avec des bonnes lunettes, vous verrez la fenêtre du bureau de Bastien au fond. C'est notre petit cadeau aussi à Côte-Bec en co. Eh bien, puisque j'ai décidé de préserver l'eau, je vais commencer sur les projets 2023 qui concernaient l'eau, justement. Et puis, comme l'eau est indissociable de l'industrie, je voudrais évoquer en premier lieu l'usine d'eau industrielle que nous avons mis en place un an avant ma naissance, en 1972, et qui a permis depuis cette époque d'économiser plus d'un milliard d'eau sur le territoire, prélevée dans la Seine et non pas pompée en nappe phréatique. Cette usine a été relookée, modernisée aujourd'hui pour 25 millions d'euros. C'est une usine qui pourra pomper
entre aujourd'hui 30 jusqu'à plus de 40 millions de mètres cubes par an, qui ne sont pas pompés dans la nappe phréatique. Et pour nous, c'est un investissement majeur qui permet non seulement de préserver l'eau, mais aussi de continuer le développement industriel. Et on sent complètement l'importance de l'eau sur ce territoire. L'eau, c'est aussi, je mets les pieds dans le plat, les piscines de Cossenaglo, les équipements aquatiques. On avait, avant la rationalisation des bassins, le mètre carré de plan d'eau par habitant le plus important. Mais malgré deux bassins qui sont fermés, en restructuration, nous avons toujours le mètre carré de plan d'eau le plus important par habitant de France, ou presque. C'est un service essentiel à la population pour nager, c'est un service maillé sur le territoire, parce qu'il n'y a pas un seul équipement aquatique. Malgré tout, c'est de notre responsabilité de préserver l'eau, et c'est ce que nous avons fait en 2023 sur les différentes piscines. Et puis, l'eau, c'est celle qui tombe du ciel aussi. On peut faire plein de choses à Cossenaglo, mais on ne peut pas empêcher l'eau de tomber, mais on peut lutter contre les ruissellements. Dans ce cadre-là, c'est toute une campagne de mares tampons, notamment à Arlon-sur-Seine, où un projet important qui va en amener d'autres, c'est la friche Exion, Gruchel-Vallas-Bolbec, une zone d'expansion du cru pour protéger les habitants. On n'est pas dans le Pas-de-Calais, mais on sait, et je salue tous les habitants et les commerçants de Bolbec qui ont subi ces inondations. Cossenaglo, l'État et les financeurs sont à leur côté pour régler cette solution de manière définitive. Et quand on dit eau sur le territoire, on dit aussi production d'énergie. En 2023, nous avons investi sur un schéma directeur des énergies renouvelables. On a organisé des journées grand public pour évoquer ces sujets, mais aussi nous avons un partenariat fort avec le syndicat départemental électrique autour du cadastre solaire. Un clic et vous savez si c'est rentable sur votre toit. Ne vous laissez pas avoir par les démarcheurs. Nous avons des outils spécifiques et un guichet à Cossenaglo pour répondre sur ces sujets. Il n'y aura pas de durabilité sans préservation du vivant non plus. Les énergies, c'est une bonne chose. Et je voudrais qu'on fasse un focus sur la biodiversité pour les habitants. Dans ce cadre-là, 3 ans d'études, un ABC, il y en a qui l'appellent l'Atlas de la biodiversité, nous a permis d'identifier les actions qui étaient à mettre en place sur le territoire pour préserver la biodiversité. Ça veut simplement dire préserver le vivant. Nous, préservez-nous. Le programme de plantation des haies, cette année, en 2023, c'est plus de 8 km qui ont été replantés. Et puis, quand on parle biodiversité, et puis, avec cette petite odeur dans la salle, ça nous donne faim. Il faut aussi parler alimentation. Le plan alimentaire territorial de Cossenaglo, en 2023, a été une année de diagnostic pour pouvoir mettre en place des actions. Avec Cossen Développement, un appel à manifestation d'intérêt sollicite le monde agricole, les filières courtes, pour pouvoir développer sur le territoire des solutions pour pouvoir mieux manger sur le territoire. Et je l'évoquerai un peu plus longuement sur les projets 2024, puisque la phase d'étude se termine et l'opérationnel commence. C'est une petite musique que vous entendrez souvent sur Cossenaglo. Avec les services, je salue l'ensemble des services qui travaillent et qui œuvrent pour le bien de ce territoire. La petite musique pour 2023 et 2024, c'est on arrête les études et on passe à l'action, à l'opérationnel, et on le fait dans tous les domaines. Une fois qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on fait? Quand on mange, on produit des déchets. Et là, je salue l'action des habitants du territoire, la communication faite par les élus, puisque les refuteries ont largement baissé par rapport aux chiffres que nous avions annoncés il y a 2 ans. Sur le traitement des biodéchets, puisque la loi nous l'impose à partir du 1er janvier 2024, nous avons déjà, depuis presque 20 ans, mis en place ces composteurs individuels dans les maisons lorsque c'était possible. Alors, ils étaient payants. Ils sont gratuits depuis 2023. On a multiplié par 6 ces composteurs. Et nous avons aussi développé du compostage collectif dans les immeubles, notamment à Tancarville. Et demain, j'évoquerai tout à l'heure une expérimentation sur le territoire de Terre de Caux et sur la commune de Port-Jérôme-sur-Seine. Alors, on a préservé l'alimentation, l'eau, on a travaillé l'énergie. Il ne faut pas laisser tomber pour autant l'attractivité du territoire, bien évidemment. Et c'est en lien avec la thématique de cette année, le tableau de Jeanne Boudin. Moi, je suis très fière de ce que nous avons organisé aujourd'hui. Nous sommes un territoire rural, pas si loin de Paris, mais quand même pas parisien. Et nous avons une expo d'envergure nationale qui était « Qui es-tu, Apollon de Julien ?» Monsieur le sous-préfet, vous étiez déjà présent. Bon, on avait que cette photo-là, je suis désolée, on va la passer vite. La culture pop était à Lillebonne, sur le musée. L'exposition s'est fermée et c'est un grand succès puisque plus de 10 000 personnes, 10 000 visiteurs sont venus visiter. Et j'évoquerai la suite du projet Apollon sur notre territoire. Ça nous amène directement à la question du tourisme en 2023. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est revenu à peu près aux chiffres pré
Covid sur le territoire de Cossenaglo. C'est une très bonne nouvelle. Alors, on a bénéficié forcément de l'engouement de l'Armada. On a bénéficié aussi de nos habituelles guinguettes. Et là, je salue tous les élus ruraux qui accueillent les guinguettes. Je crois qu'à chaque fois, on double, on triple la population à l'endroit où elle se passe, et c'est une fête populaire magnifique. La fête du cheval, ici même, avec 9000 personnes, et la nette augmentation des touristes étrangers, notamment allemands, hollandais ou italiens. C'est une très bonne note pour le territoire. La culture et le tourisme font partie intégrante de l'attractivité et pour nous ne sont absolument pas dissociables. Mais bon, pour les habitants du territoire, un des éléments essentiels, c'est aussi la formation professionnelle. Et en 2023, Cossenaglo a eu l'initiative d'un schéma local d'enseignement supérieur. À ce jour, en discutant avec la région, qui est quand même chef de file en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, les lycées et enseignement supérieur, on n'est que deux territoires, Cherbourg en Cotentin et Cossenaglo, qui ont entamé une démarche de schéma local d'enseignement supérieur pour se dire on est un territoire rural, mais malgré tout, on a des besoins. Les entreprises ont des besoins, il y a des compétences à mettre en œuvre sur le territoire et il y a la possibilité de le faire au plus près des entreprises et nous avons choisi de le faire et je reviendrai sur le programme d'action opérationnelle dans cette deuxième partie de vœux. Notre plan d'action d'ailleurs court jusqu'en 2028 minimum, date à laquelle les implantations d'entreprises seront réalisées et là aussi j'y reviendrai. Concrètement, cette année, une nouveauté aussi, et je salue les services de l'État, de la région et tous les partenaires qui ont œuvré avec nous, sur la cellule emploi-formation qui a été faite spécifiquement sur le territoire. Ça veut dire qu'en face d'un poste, il y a une réponse, il y a une formation, il y a une personne issue de l'économie sociale et solidaire, de l'emploi ou d'une reconversion professionnelle, et tout le monde s'est mis autour de la table pour préparer ce schéma à travers cette cellule emploi-formation. C'est vraiment une unité expérimental, monsieur le sous-préfet, et je salue les services de l'État qui nous ont autorisés à le monter à l'échelle de ce territoire avec 1000 emplois supplémentaires. Il me semble que pour nous, c'était essentiel. On retrouve forcément les anciennes filières, la pétrochimie, la pharmaceutique, l'aéronautique, mais on retrouve aussi toutes les nouvelles filières chimiques autour du recyclage à travers l'implantation d'Isman, de Foutero, d'Air Liquide Normandie, tous ces projets que vous connaissez bien et qui sont en phase de finalisation. Pour faire c'est ce schéma local de l'enseignement supérieur. Et pour répondre concrètement aux besoins, il faut aussi des espaces. Ces espaces, ce sont les friches industrielles qui ont été entièrement identifiées sur le territoire, notamment à Bolbec-Saint-Eustache. Vous voyez là la friche Mazurel à Saint-Eustache-la-Forêt, qui fait l'objet d'une démolition depuis septembre 2023 et qui, courant 2024, sera en phase de construction pour accueillir justement ces cellules de formation. Alors moi, j'ai envie de l'appeler plutôt Académie industrielle. C'est vrai que c'était H2 Académie dans la tête, mais j'annonce comme ça qu'au regard des projets d'implantation sur le recyclage et autres, c'est tout un dispositif de nouvelles filières, un petit peu la vallée européenne du recyclage qui se déroule ici sous vos yeux sur Cossenaglo. Eh bien, la réhabilitation de la friche Mazurel permettra d'abriter sans consommer du foncier, monsieur le sous-préfet, puisque nous respectons le ZAN, bien évidemment, et la sobriété foncière, pour pouvoir installer des nouvelles formations, du logement et de l'activité sur des territoires non pas en extensif, mais bien en intensif, et c'est l'intention de tous les projets. Alors, il n'y a pas de grands projets sur le territoire sans projets communaux. Et dans ce cadre-là, en 2023, Cossenaglo a soutenu l'ensemble des projets communaux, qu'ils soient ruraux ou urbains, à hauteur de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est 1 million de prise en charge du fonds de péréquation intercommunal pour que les communes n'aient pas à supporter cette charge supplémentaire à l'heure où les budgets sont compliqués. C'est 1 million d'euros pour la dotation de solidarité communautaire et c'est 1 million d'euros de fonds de concours qui ont notamment permis, j'avais quelques exemples, à Vatte-Villarue, des travaux d'éclairage, à Saint-Aubin-de-Créteau et Alvimar, des travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux. L'Aglo s'occupe des grandes entreprises, s'occupe du DEVECO, des communes, mais s'occupe aussi des TPE, des artisans et des entrepreneurs de tous bords, qui se découvrent aussi entrepreneurs. À ce titre-là, nous avons mis en place la seconde édition de l'appel à projet Rebond. Un gros succès, puisque c'est un financement participatif qui donne un objectif de financement et l'Aglo vient abonder. C'est plus de 25 000 euros collectés auprès des particuliers pour financer les derniers projets sur 266 contributeurs et l'Aglo a mis 10 000 euros au bout pour pouvoir compléter ces projets. Les 4 projets présentés, les derniers, ont été entièrement financés et nous avons eu à ce titre le trophée
de Seine Maritime Attractivité pour saluer l'initiative. Le premier projet rebond avait lieu juste après le Covid, le second était en 2023. Nous allons relancer une campagne parce qu'il y a des envies d'entreprendre sur le territoire, des envies de commerce, d'artisanat, et nous souhaitons largement les soutenir au même titre que les grandes entreprises. Et une fois qu'on est sur le territoire, qu'on a mangé, qu'on a préservé l'eau, qu'on a mis en place le développement économique, il faut aussi s'engager dans la mobilité. Pour nous, c'est essentiel, la mobilité. En septembre dernier, nous avons lancé le transport à la demande. On va refaire des explications sur transport à la demande, mais c'est phénoménal. 6000 transports ont été réalisés depuis sa création pour emmener des villages vers les centres administratifs, commerciaux ou médicaux, l'ensemble de la population. Une ruralité sans mobilité, c'est une ruralité qui meurt. Et je peux vous dire que pour sillonner le territoire, l'ensemble des personnes qui sont attachées à leur village souhaitent y rester. Et le TAD, c'est la bonne réponse pour rester dans les villages. J'y reviendrai sur les projets 2024 pour améliorer encore le service. Alors, quand on n'a pas envie de prendre le bus, on peut encore prendre le vélo. D'ailleurs, on peut prendre les vélos électriques de Cossène Aglo. 50 vélos assistance électrique. C'est-à-dire qu'il faut quand même un peu pédaler. Et il y a des côtes chez nous, parce que comme il y a la Seine, l'eau, toujours l'eau, notre territoire est façonné pour quand même faire du sport malgré le vélo électrique. 50 vélos sont en location et puis peuvent déboucher sur l'acquisition. Des projets aussi de pistes cyclables qui seront en continuité, et j'y reviendrai un petit peu sur 2024. Ce cadre de vie est agréable. On peut y manger, on peut y travailler, on peut s'y déplacer. Et puis la finalité, c'est de venir y habiter, bien évidemment. En 2023, la politique autour de l'habitat nous a fait mettre en place la première semaine de la rénovation énergétique que vous voyez ici. Cette année, en 2023, 367 logements ont été rénovés. Rénovation énergétique, mais pas que. Accessibilité aussi, ou lutte contre l'habitat indigne et l'insalubrité. C'est essentiel pour nos territoires. Et même quand ça se passe bien, on fait les trois dans la même maison. Monsieur le sous-préfet, pensez à nous, il va me dire, elle me stigmatise depuis tout à l'heure, elle ne parle qu'à moi. Mais dans le cadre de la décentralisation de l'habitat et des nouvelles lois qui vont arriver dans le nouveau gouvernement qu'on ne connaît pas encore, à ma montre en tout cas, je souhaite vraiment qu'on travaille ensemble pour avoir un guichet unique avec des dotations sur le territoire qui permettent de faire des rénovations globales pour nos habitants et que ce soit lisible et simple pour eux. Et comptez sur nous, sur un guichet local. Je pense que vous serez le porte-parole de cette position que vous connaissez bien. En tout, ces rénovations, depuis 3 ans que le programme a été engagé, c'est 10 millions d'euros que les artisans aussi ont pu avoir comme retombée économique sur les territoires à travers les rénovations. Pour nous, c'est vraiment important sur le territoire. Donc cette année 2023, je ne serai pas exhaustive, elle a réalisé les projets sur lesquels nous étions engagés, elle a préparé l'avenir, et je tiens à remercier l'État, le département, la région, les parlementaires, Céline et Agnès que je vois là, peut-être Mariette, voilà, excusez-moi, moi j'ai les flashs en face, je vous remercie beaucoup, parce que sans vous, sans nos partenaires institutionnels à nos côtés, ce sont des projets que nous ne pourrions absolument pas réaliser. D'ailleurs, le contrat de territoire est un bon exemple. C'est un des premiers signés en Normandie. Il a été signé ici à la médiathèque de Bolbec pour un montant de 15 millions d'euros de nos partenaires, plus la région qui devrait abonder à travers les fonds européens de plus de 4 millions. C'est un très bon financement sur le territoire. Et sachez que nous en ferons bon usage sur les projets de 2024. Et là, je reviens à Catherine ou Liliane, un peu excitée sur son bateau, qui dit « Moussaillon, ne baissez pas l'énergie, on en a encore besoin énormément pour l'année 2024, pour sauver la planète, pour régénérer la planète. » Enfin, restons humbles. D'ailleurs, il y a mon ami Samuel qui est là. Et à chaque fois, j'ai la petite musique des 3 H. On ne va pas sauver la planète, on va se contenter de régénérer le territoire au titre des 3 H. L'humus, la terre, l'humain, et aussi beaucoup d'humilité, parce que la planète nous rappelle régulièrement que c'est elle qui décide. Alors, en 2024, pour régénérer ce territoire, on va commencer, là encore, par mieux se déplacer. Je souhaitais commencer par le projet phare du territoire. Là encore, quand vous dessinez la navette ferroviaire et son parcours sur le territoire de Cossène Aglo, vous vous apercevez qu'elle suit la rivière. Cette vallée d'or qu'évoquait Catherine et Lilian, je vais finir par les appeler comme ça définitivement, parce qu'elles n'avaient pas d'autres petits noms. Cette navette ferroviaire, qui fera l'objet d'une mise en concurrence, d'un appel d'offres au premier semestre 2024, viendra installer sur les rails de fret de notre territoire
de Port-Jérôme, la zone industrielle de Port-Jérôme, jusqu'à Bréauté-Beuzeville, en s'arrêtant dans tous les centres névralgiques du territoire de la vallée d'Or qu'on évoquait tout à l'heure dans la présentation. Et puis, une fois qu'on est à Bréauté-Beuzeville, on est à Paris, on est à Singapour, on est dans le monde entier. Et pour nous, c'est essentiel, par rapport aux implantations industrielles, de pouvoir créer une mobilité pour les résidents, pour les seniors, pour les jeunes, pour les loisirs, mais aussi pour les futurs salariés des entreprises qui arriveront, puisque dans le cadre de l'appel d'offres, on va même aussi proposer un bouclage supplémentaire qui mettra la navette directement aux portes des implantations industrielles qui sont prévues sur Port-Jérôme 2. Pour nous, c'est une réelle avancée, et c'est, je remercie la région Normandie, pour l'intérêt marqué sur ce projet, je remercie aussi l'ensemble des partenaires, puisque sans l'autorisation des organismes de tutelle, c'est un projet qui ne pourrait pas arriver. Là encore, je souhaite que les derniers freins, le financement est bouclé grâce au versement mobilité, qui est le plus petit de France, mais grâce aux industries qui va venir financer cette modalité ferroviaire, je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour que ce projet sorte, que ce ne soit pas une notion de sécurité ou de réglementation qui bloque ce projet qui est si essentiel à cette vallée entre Port-Jérôme et Bolbec, et après ensuite avec l'irrigation de l'ensemble du territoire du côté de Terre de Caux comme de Rive-en-Seine pour l'ensemble de Cosène Aglo. C'est de l'attractivité, c'est de l'emploi, c'est du tourisme et c'est aussi du prendre soin. Déplacer les gens vers les centres administratifs et les centres de santé, c'est prendre soin de nos habitants, et je crois que c'est vraiment notre responsabilité et notre obligation. Ben, les voies cyclables, je l'ai évoqué tout à l'heure, vos 50 vélos que vous pouvez louer à Cosène Aglo, ou si vous préférez vous muscler les mollets, vous avez des nouvelles voies cyclables qui vont être mises en place, notamment la piste qui part ici, de la baie du Valas, jusqu'au centre commercial de Crochet-le-Valas. Nous avons aussi finalisé les études de la dorsale vélo de Port-Jérôme à la gare de Bréauté, et nous poursuivons l'aménagement du côté est du territoire avec la voie cyclable de Côte-Bec-en-Caux dans le cadre de la Seine à vélo qui répond au tourisme, mais pas que. Mes collègues, Kamel notamment, me rappellent souvent que le vélo, c'est avant tout de la mobilité professionnelle et que c'est un vrai changement de culture et que nous devons, nous aussi, le préparer et nous adapter. Réseau bus, une fois que vous avez pris le train, que vous avez mis votre vélo dedans, vous voulez rejoindre encore un village, il y a réseau bus. Je vous expliquais que le TAD avait bien fonctionné. On va, la semaine prochaine, lancer le premier bus électrique parce que la mobilité, en réalité, c'est bien, mais c'est mieux quand elle est décarbonée. Ce bus électrique fera aussi... L'arrivée de ce bus électrique nous permettra de mener aussi une campagne, une enquête globale sur les prestations de mobilité. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas d'avoir une obligation de moyens, mais bien de résultats. Il faut vraiment qu'on réponde aux besoins des habitants, et dans ce cadre-là, il va falloir qu'on fasse évoluer éventuellement le TAD ou réseau bus pour pouvoir répondre vraiment aux besoins des habitants. Donc cette enquête, dites-le à vos administrés, dites-le à votre entourage, surtout répondez, parce que pour nous, c'est essentiel pour pouvoir satisfaire et rendre ce TAD innovant et vraiment adapté au territoire. Alors, une fois que vous êtes déplacé, ben là encore, moi, je souhaite qu'on mieux se déplacer, mais mieux se loger. C'est important. Je l'évoquais, Cosène Aglo va mettre en place... alors, je crois que c'est pour la Saint-Valentin. C'est pour ça qu'ils ont dû faire le hall d'accueil en rouge, je pense. Il y a un côté cupidon, en plus, au niveau des appliques. En tout cas, ça, c'est le projet du nouvel accueil de Cosène Aglo à la maison d'intercommunalité, avec la maison de l'habitat, qui sera un couloir, avec un ensemble de personnels qui seront totalement à la disposition des habitants et des entreprises pour montrer tout le cheminement, tout le parcours. De l'idée avec un rendez-vous avec un architecte jusqu'au permis de construire, jusqu'à la matériothèque qui vous permettra de mesurer, de voir quels matériaux vous pouvez mettre sur votre maison, quelle impression ça peut faire, quelle isolation ça peut entraîner. La modélisation de l'ensemble de vos travaux pourra être réalisée au niveau de la maison de l'habitat. Nous voulions un guichet unique, nous le faisons, c'est déjà fait dans les grandes villes. Je pense que ce territoire mérite aussi un guichet unique pour faciliter la démarche de rénovation énergétique des maisons qui nous paraissait vraiment intéressant. Je ne vais pas insister sur ma prime rénov, mais si on pouvait instruire tous les dossiers au même endroit, ce serait génial. Le tampon de l'État, il sera, je vous promets, monsieur le sous-préfet, mais s'il vous plaît, laissez-nous la main sur ces données-là. Et puis, ben, les communes aussi mettent la main à la pâte en termes de rénovation énergétique, puisqu'on a un plan bâtiment durable sur le territoire. Aujourd'hui, déjà, 20% des audits qui ont été réalisés, ça fait à peu près 100 audits sur le territoire, 100 bâtiments communaux ou intercommunaux qui ont été audités. Et déjà, 20% ont connu un engagement de travaux pour une rénovation énergétique, pour des économies de fonctionnement, mais aussi pour un dégagement de carbone beaucoup moindre. Je crois que, et là, je remercie l'ensemble des élus du territoire pour s'engager de manière ferme et vraiment motivés dans cette voie de rénovation énergétique. C'est
un bien pour les budgets, mais c'est aussi un bien pour la planète. Et je pense que nous ne pouvons pas faire l'économie de regarder nos bâtiments. On lance aussi un schéma directeur de l'immobilier, et là on croise la rénovation énergétique des bâtiments et son usage. Autant d'abord rénover, c'est qu'on a plus d'usage. Et réfléchir aux usages des bâtiments, est-ce qu'on doit vraiment garder du patrimoine? Est-ce qu'on peut le revendre? Est-ce que cette vente peut financer? C'est toute cette approche, tous ces aspects-là que nous étudions aussi au niveau de Cosen Agglo et que nous accompagnons le commune, notamment avec un économe de flux, mais aussi en partenariat encore, là encore, avec le syndicat électrique départemental. Et puis tout ça, ça se fait toujours dans l'esprit du zéro artificialisation nette. L'idée, c'est que la sobriété foncière nous amène à reconstruire sur ce qui est déjà construit, nous amène à repenser. Moi, je la positive, cette sobriété foncière. Je ne suis pas dans l'esprit, mince, on ne peut plus construire, on va faire mourir nos territoires. Je pense qu'on peut construire différemment. Faire admettre aussi un peu de verticalité dans nos communes, admettre un peu plus de densité, mais avec des constructions de qualité intelligente, on peut encore privilégier sans problème le bien vivre ensemble. Et on va pouvoir le prouver, je l'évoquerai notamment sur des projets d'entrée de ville de la commune de Port-Jérôme. Sur les différents projets, une fois qu'on s'est mieux logé, il faut encore penser planète et préserver nos écosystèmes. J'ai évoqué l'année d'études sur l'ABC ou l'Atlas de la biodiversité. Aujourd'hui, on se met en ordre de marche pour le plan d'action, notamment sur la restauration des mares. Le programme qui est engagé par Cosen Agglo, c'est 10 mares par an sur 3 ans, pour les 16 communes qui sont concernées par l'Atlas de la biodiversité. Mais c'est aussi la lutte contre les espèces invasives. C'est aussi la lutte contre la pollution lumineuse. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur une expérimentation. C'est toute la valorisation du patrimoine naturel du territoire qui est extrêmement important. On protège l'eau aussi à travers la protection des bacs. Vous savez, les zones de protection de captage. Angerville-Bailleul, Saint-Maclou-la-Brière ou le bac de Molévrier-Montmeillé. Le plan d'aménagement hydraulique aussi, pour ralentir les ruissellements, protéger les bétoirs. Et puis, il n'y a pas que ça, je l'évoquais rapidement sur les projets 2023. La protection de la ressource en eau, c'est aussi la protection des biens et des personnes. Là encore, on poursuit la protection du centre-ville de Bolbec à travers la réalisation du bassin du Val-Ricard, qui vient en complément d'action. Et le dernier complément se situera plutôt en amont avec la friche des Genetais, mais je reviendrai sur le projet un petit peu plus tard. Je vais revenir sur la pollution lumineuse. Une expérimentation est réalisée ici, sur la commune de Gruchet-Vallas, par un éclairage public intelligent. Cette expérimentation permettra de trouver un modèle qui pourra se dupliquer sur le territoire. Et je salue la commune de Gruchet-Vallas qui s'est engagée dans cet état d'esprit et dans ce projet pour pouvoir ensuite le dupliquer sur l'ensemble du territoire. Alors, préserver nos écosystèmes ne nous empêche aucunement de produire. Mais il faut penser à mieux produire. Mieux produire, c'est mettre en place les projets d'ENR. Vous avez ici un exemple d'ombrière photovoltaïque. C'est un projet qui sera installé à la Maison des compétences, juste à côté d'une chaufferie biomasse qui viendra chauffer l'ensemble des projets, des bâtiments communautaires de Cosen Agglo, comme il y a déjà une chaufferie biomasse sur la commune de Port-Jérôme-sur-Seine. Et là, Glo accompagne l'ensemble des projets de chaufferie biomasse sur le territoire. Je peux faire une aparté sur le CEVED à ce moment-là, parce que je salue les agents du CEVED qui sont présents ce soir aussi. Le CEVED, c'est notre usine d'incinération. Elle aussi, elle va traiter les déchets, mais c'est avant tout une production d'énergie phénoménale pour le territoire. C'est même une approche et un état d'esprit qu'il faut complètement modifier. Cette usine, elle n'est plus là pour gérer un problème de déchets. Elle est là pour dire, j'ai une technologie qui me permet à travers un intrant, aujourd'hui les déchets, demain peut-être les déchets des centres d'enfouissement technique, d'autres déchets, va venir créer uniquement de l'énergie et rendre la zone industrielle totalement autonome en vapeur, ce qui est essentiel pour l'ensemble des implantations industrielles. D'ailleurs, ces implantations industrielles qui cherchent à être décarbonées, notamment à travers la production d'hydrogène. Vous l'avez vu sur les terrains de Port-Jérôme 2, les remblaiements, les préchargements sont en cours. Et là encore, j'ai un petit appel à faire. Je me retourne encore vers monsieur le sous-préfet. Finalisons avec Eastman. On voit qu'on a besoin de l'État, hein, je suis bien placée pour le savoir. Finalisons les négociations avec Eastman. C'est un petit message. Nous espérons pouvoir avancer sur ce projet parce que derrière la finalisation entre l'État et l'industriel, il y a toute la démarche compétences, mise en place des formations que nous avons mis en place et l'espoir aussi que nous avons créé sur le territoire pour ces emplois. Je voudrais aussi dire un petit mot sur, dans le cadre de la décarbonation, sur l'implantation de la ligne 400 000 volts.
Cette implantation fait l'objet d'une enquête publique en ce moment. D'ailleurs, je salue le président du parc, Jacques Charon, qui n'est pas le soir parce qu'il est sur une réunion, mobilisé sur une réunion en la matière. Je crois que le territoire l'a dit et l'a redit. Cette implantation est essentielle, non seulement pour les anciennes filières, pour décarboner leur process, mais aussi pour les nouvelles filières qui s'implanteront. Et je crois que les entreprises s'implanteront là où le territoire est attractif, je vous l'ai déjà dit, là où les salariés ont envie de vivre, mais aussi là où l'énergie est en approche, l'énergie est facile. Et je crois que le territoire de Cossenaglo et la zone industrielle de Port-Jérôme est parfaitement bien placé. Nous sommes pour, je suis pour cette implantation de ligne et je suis pour l'implantation sur le tracé de 225 000 volts, je le redis, ce n'est pas un scoop, mais je crois que dénaturer la presqu'île ou passer par le Marais de Campi-Norville serait vraiment un non-sens. C'est un message, je suis sûre qu'il sera parfaitement entendu. Je sens que la presqu'île est là, mais Norville et Petitville aussi. Pour nous, c'est essentiel et on est totalement en phase sur l'ensemble des élus du territoire. Je salue là aussi les industriels et leur engagement au travers de ZIBAC, zone industrielle bas carbone, accompagnée par l'État à 14 millions d'euros, pour pouvoir mettre en place ces solutions de décarbonation. Il y a la sobriété à mettre en place de l'efficacité énergétique, mais il y aura toujours du CO2 rejeté qu'il faudra capter et utiliser d'une manière différente. Et là, je pense que nous avons un collectif qui produit des résultats de Rouen jusqu'au Havre. Ce sont les ensembles des associations industrielles et AROPA qui sont mobilisés sur ces sujets. Je pense que ces deux grands projets de ligne électrique et de décarbonation du site qui nous amèneront à une industrie heureuse, vertueuse, une industrie comme nous l'aimons, comme nous en avons besoin sur le territoire. Et puis à une échelle plus petite, j'évoquais le Céved tout à l'heure. Le four du Céved, effectivement, un jour brûlera que des déchets ménagers sans matière organique puisque les biodéchets seront traités à la source. Et puis, nous avons des projets d'hygiénisateurs, de poteurs ou déconditionneurs pour pouvoir mettre en place toute cette filière vers les méthaniseurs et produire du gaz. Ça veut dire que vos déchets, ce seront de l'énergie. C'est ça qui est intéressant. Et l'ensemble du territoire s'organise pour qu'il n'y ait aucun déchet qui s'appelle déchet. J'ai en tête la banane dans le réservoir de la DeLoréal, dans Retour vers le futur. C'est exactement le même état d'esprit. Ce n'est pas une utopie. Regardez, le train, c'était une utopie et on l'a quasiment mis sur les rails. Et bien, je crois que sur les déchets, on est exactement dans la même optique. On a tous les outils sur le territoire, méthaniseurs, demain, hygiénisateurs et déconditionneurs. Nous avons l'usine de valorisation énergétique. Nous avons la volonté de mettre en place la collecte des biodéchets en porte-à-porte, en expérimentation, je l'évoquais, sur Port-Jérôme-sur-Seine et sur Terre-de-Caux, pour voir comment on peut dupliquer le compostage collectif. Je crois que ce territoire réussira cette transition et c'est des projets auxquels je tiens énormément. Alors, les déchets, ils sont issus de notre nourriture. Donc, nous, ce qu'on aimerait sur le territoire sur l'année 2024, c'est aussi mieux se nourrir. Et là, je rejoins le plan d'action opérationnel du plan alimentaire territorial. Créer de nouveaux partenariats avec les producteurs locaux, les acteurs. Certains sont présents ici et je les salue. On ne nourrit pas un territoire sans le monde paysan. Et je crois que vraiment le partenariat peut être fort. Et je leur dis aujourd'hui, rien que dans le fonds de compensation agricole, nous avons 300 000 euros à disposition, financés par les industries, pour vos projets collectifs de filières courtes, d'alimentation durable sur le territoire. Les élus ont pensé à d'autres projets aussi, monter une école du goût, construire un programme d'atelier nutrition avec l'ensemble des structures sociales du territoire, travailler avec les écoles, avec les cantines. Je compte sur vous pour que collectivement, plus aucun déchet ne soit pas rendu à la nature ou transformé en énergie. Nos cantines scolaires, c'est un vrai atout et nous devrons partenarier avec l'ensemble des écoles du territoire. Alors mieux se nourrir, c'est mieux consommer, c'est bien évident. Et pour mieux consommer, nous avons aussi travaillé sur la rationalisation des espaces. Vous voyez la friche d'Egenetet qui est ici. La friche d'Egenetet, c'est une ancienne filature, Boussac-sur-Bolbec, qui enfin voit émerger un projet ambitieux sur le territoire. Cette friche va faire l'objet d'une transformation radicale. Au premier trimestre 2023, nous avons finalisé le projet de déconstruction et nous avons surtout été lauréats d'un AMI, industrie culturelle et créative qui nous permet d'avoir une ambition autour du design textile, école de formation, atelier, toujours notre musée sur le territoire, le musée au fil de la mémoire qui nous permet de nous asseoir sur un passé pour nous projeter vers l'avenir. Et tout en rationalisant les espaces, en condensant, on peut attirer aussi de l'activité économique. Donc formation, logement, activité économique, je crois que c'est un très beau projet et c'est une très belle entrée de ville
de ce côté-là de Bolbec pour l'ensemble du territoire. C'est le même projet que la Friche Masurelle, c'est reconstruire sur l'existant et y mettre des activités économiques qui correspondent réellement aux besoins du territoire. Ce pôle textile sera vraiment une belle avancée et le consortium qui s'est constitué autour avec les entreprises du lin, du textile comme Saint-James ou Tour du Chanvre nous permet avec les entreprises de taillage et de tissage qui s'implantent en Normandie de créer une vraie filière à valeur ajoutée plutôt que d'aller vendre nos produits et de les repayer à peu près 10 ou 100 fois plus cher quand ils reviennent sur le territoire français. Ce sont vraiment des projets qui, pour nous, sont novateurs. Vous allez voir la déconstruction du bâtiment, vous allez voir les premiers projets et les premières constructions sortir sur l'année 2024. Pour l'économie sociale et solidaire, gratification du geste de tri et action biodéchets, c'est pour permettre de mieux consommer là aussi et de mettre en place une collecte des déchets. Alors là, du verre. Hein. Parce que sur la question de la consigne, ouais, en parlant de verre, ah ben c'est prévu, c'est scénarisé, hein. Faut le savoir. Hein. Ça veut dire dépêche-toi, les bulles elles sont en train de faire sauter les bouchons des bouteilles. Je vais me dépêcher. La gratification du geste du tri du verre et l'action biodéchets permet de marier aussi la gratification vers les habitants, vers les services, vers les commerces et l'action du biodéchet. Mais je crois là encore pouvoir remercier l'ensemble des habitants puisque nous avons vraiment amélioré l'ensemble de nos statistiques sur les déchets et je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le territoire. Mais nous allons continuer à mettre des actions en place pour mieux consommer. Mieux consommer aussi, c'est travailler avec l'économie sociale et solidaire. Alors, je voudrais faire un petit zoom sur le pôle Solicène qui vit déjà depuis presque 2 ans sur le territoire. Je salue Marie Loison, qui nous a initiés dans ce projet. Et puis, l'économie sociale et solidaire a vraiment pris un virage qui est très intéressant puisqu'elle nous amène à l'idée d'une frugalité heureuse. Comment moins consommer, c'est avant tout réparer, réemployer. Et je pense que ce pôle-là a mis énormément de personnes sur ce chemin-là pour pouvoir réutiliser les outils. C'est une ressourcerie, c'est un Fab Lab pour changer vos pièces. C'est aussi des ateliers de réparation. Et dans le cadre de mieux consommer, c'est un outil essentiel sur le territoire que nous envient beaucoup, beaucoup de territoires autour. Et puis l'eau, j'y reviens. Je vais pas finir par l'eau parce que je vais faire un peu de numérique après. Mais le partage de l'eau, pour nous, est essentiel. Un meilleur partage de l'eau et beaucoup de pédagogie autour de ces sujets, l'accompagnement aussi des entreprises en termes de matière de risque. Vous savez, j'ai répondu à des interviews concernant la montée des eaux, et notamment le PPRI sur la zone de Port-Jérôme. Je crois qu'il faut vraiment préparer, et je sais qu'au niveau mondial, on sait construire aussi des usines, on sait adapter l'outil industriel à la montée des eaux temporaire, et je crois que ce territoire résilient, responsable, devra aussi adapter l'ensemble de son outil industriel pour que l'eau ne soit pas un problème et qu'on vive avec. Il suffit de la laisser s'écouler, l'eau. Et ça, je pense que c'est un enjeu majeur sur le territoire. Notre objectif, c'est répondre à tous ces changements par la résilience et que personne ne soit mis de côté en la matière. Et l'eau, bah, c'est aussi les piscines, j'y reviens. Le bassin de Port-Jérôme-sur-Seine sera réhabilité et permettra une économie d'énergie de plus de 40%. Des outils seront déployés dans l'ensemble des piscines pour pouvoir contrôler les consommations énergétiques, les consommations d'eau et pouvoir réguler l'eau des bassins en fonction des usages, des écoles, des publics. Quelqu'un qui fait un entraînement n'a pas besoin d'une eau aussi chaude qu'une personne qui est statique ou d'un cours de bébé nageur. L'ensemble de nos équipements aquatiques seront adaptés avec l'outil numérique pour pouvoir avoir un système de data permettant l'économie très importante. Et puis la data, justement. Faciliter la sobriété et l'efficacité. Moi, je suis très fière de ce territoire. On a le 2e schéma local d'enseignement supérieur, je l'ai dit tout à l'heure, mais on a le seul projet d'hyperviseur sur le territoire qui nous permet de mettre dans une grosse machine, en gros, toutes les données du territoire, de la traduire dans une même langue pour pouvoir effectuer des requêtes et travailler sur l'efficacité énergétique des bâtiments, sur l'occupation de l'espace public, sur l'ensemble des données numériques vraiment au service de la population, de la réactivité, et de la lutte contre l'isolement, la lutte contre la déficience d'information, la lutte pour la santé. C'est tout un tas d'outils que l'hyperviseur permettra de mettre en place sur le territoire, toutes les anomalies qu'on peut trouver sur l'espace public, et je pense que là encore, on a une longueur d'avance sur ce sujet, et que ce territoire non seulement amènera l'efficacité, la sobriété, mais aussi la modernité. Mais moi j'aime bien quand même l'aspect culture, c'était la thématique de cette année.
Donc, après avoir mieux consommé, il faut mieux rayonner et prendre soin. Le projet Julio Bona, nous avons eu l'exposition Apollon. Nous travaillerons l'année prochaine avec les élus de la ville de Lillebonne, aussi tous les habitants et tous les habitants du territoire qui le souhaiteront, sur une modélisation de l'Apollon. On ne l'a pas récupéré. Je sais que Lillebonne est par là. Je devine le crâne de Pascal et Kamel à côté. On n'a jamais pu avoir l'Apollon. Ah, je vais vous dire, l'Apollon, le vrai, celui qui est en bronze doré, qui est dans les réserves du Louvre. C'est un peu dommage, vous allez me dire. Il aurait pu venir chez nous pendant ce temps-là. Mais c'était un peu cher. C'était 500 000 euros. C'est une question qu'on s'est posée 48 heures, parce qu'au bout de 48 heures, le Louvre a dit « Non, mais finalement, même pour 500 000, on ne vous le laisse pas ». Eh bien, ce n'est pas grave, parce que nous, on va s'approprier de nouveau cette œuvre d'art qui a été trouvée sous le Pinocchio, la pizzeria, à peu près par là. Et on va demander aux habitants, pour s'approprier encore ce projet, se rappeler qu'il y a 2000 ans, c'était « the place to be ». Qu'il y a 2000 ans, l'ensemble des habitants se sont installés là parce qu'ils pouvaient commercer, comme le dit le petit film, de Paris jusqu'au reste du monde. Eh bien, là encore, on fera un Apollon à nous, modélisé, et ce sera complémentaire à tout le programme scientifique de Julio Bona qui nous réapprend encore pourquoi on vit ici. Et je pense que c'est ce récit, cette histoire de récit et de compréhension de nos origines et que l'eau a fondé l'ensemble du territoire qui nous manque encore et qu'on travaillera en 2024. Sur le développement économique, l'implantation de nouvelles filières, pour nous, est largement essentielle. Diversifier l'industrie, organiser la circularité, la dimension internationale des investissements sur Port-Jérôme, j'ai dit Eastman, Futero, Plastic Energy, Air Liquide et d'autres que je ne peux pas citer encore. La diversification aussi sur la zone de Bolbec, qui est vraiment extrêmement intéressante, sur la chimie fine, didactique aussi, sur la logistique de produits pharmaceutiques. Tout ça nécessitait un équipement nouveau. Nous avons interrogé l'ensemble des entreprises pour savoir ce qui manquait sur le territoire. Ce n'est pas une métropole ici. C'est entre l'urbain et rurbain. Vous voyez, j'étais sur un lapsus. C'est exactement ce que nous sommes. Donc, un des projets phares de l'année 2024, ce sera de modéliser l'entrée de ville de Port-Jérôme-sur-Seine à travers un nouveau centre qui abritera ce qu'ont demandé les entreprises. La recherche, l'innovation, un ensemble immobilier. Alors, vous voyez un premier bâtiment qui est à peu près au centre marron, qui ressemble un peu au Havre, hein, c'est ce que je disais à l'architecte, qui accueillera des logements temporaires pour ceux qui sont en stage, en formation, en audit, en période d'essai, sur l'ensemble des 1000 emplois directs que le territoire va devoir trouver et tous les emplois indirects qui sont induits, 30 logements temporaires, mais ça pourra servir aussi pour des médecins qui souhaiteraient s'implanter sur le territoire. Je pense qu'il y a un vrai besoin de logements temporaires et ce n'est pas un hôtel. C'est 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Ce n'est pas une location, mais ce n'est pas un hôtel. On est dans un dispositif intermédiaire. Des ensembles de bureaux et un petit peu plus loin, des laboratoires qui viendront notamment travailler sur les certifications concernant toutes les matières plastiques recyclées et autres. Des salles de formation. Nous sommes déjà en collaboration avec des organismes de formation qui souhaitent implanter de nouveaux diplômes. Je pense à des filières STL, sciences techniques de laboratoire. Je pense à des BTS chimie sur le territoire. On a la partie à Coubertin et à Mazurel et on aura une partie plutôt sur la recherche et la chimie à l'entrée de ville depuis J2S. Là, on a vraiment changé d'état d'esprit sur ce projet en disant on n'attend pas d'avoir la demande. On se met dans une position, un état d'esprit industriel. On se met dans la position, si j'étais industriel, ce dont j'aurais besoin, en dehors des financements. Deuxième message. Ce qu'on aurait besoin, c'est un pôle qui nous permette d'être exactement comme d'une métropole et de pouvoir accéder ensuite aux autres services à travers une ligne ferroviaire. Donc vous imaginez ce que ces territoires sont en train de proposer à l'ensemble des habitants et des implantations industrielles qui vont se faire sur le site, aussi au titre de la formation professionnelle. C'est tout un écosystème qui répond à un parcours complet. Logement temporaire, formation, stage. D'ailleurs, dans le cadre du stage, on va mettre en place aussi, dans l'organisation et la planification, avec le schéma d'enseignement supérieur, des bourses pour les stagiaires. Il y a un e-campus qui s'installe à Lillebonne, et le e-campus va permettre les premières années digitalisées sur les territoires, au niveau de la médiathèque, mais va permettre aussi de travailler sur les différents diplômes et de mettre en place ces bourses, non seulement pour aller en études supérieures, c'est un geste de 500 euros pour une centaine de dossiers par an, sur les filières qui sont nécessaires sur le territoire. Et si vous êtes stagiaire, master 1, master 2, sur des entreprises du territoire, dans les filières identifiées en devenir,
c'est un financement aussi de 500 euros qui viendra gratifier le stage au niveau des entreprises. Nous avons identifié que c'était une difficulté sur le territoire. Venir ici, habiter ici et être rémunéré pour pouvoir faire les stages ici. Et faire un stage ici, demain, c'est être employé ici. Et je pense que organiser et planifier l'ensemble des implantations et les compétences qui vont être nécessaires sur le territoire étaient pour nous essentielles. Prendre soin, enfin, et là je reviens à quelque chose qui nous touche tous, prendre soin, c'est notamment mettre en place la maison de santé de Lillebonne. La maison de santé intercommunale, au pied de la gare, avec des professionnels de santé regroupés dans une même maison. Et là, je le redis, ce n'est pas un cadeau de Cossénaglo, c'est plutôt une initiative des médecins à travers le PSLA, le regroupement des professionnels de santé, qui nous ont demandé un outil. Et cet outil, c'est une location, c'est des recettes aussi pour l'aglo, pour équilibrer ce projet. Et je salue vraiment aussi la participation département, région et État sur ce projet, qui nous permettent de proposer aux professionnels de santé cette maison qui sera, je le redis, juste à côté de la gare et qui sera essentielle pour le développement du territoire et qui fera forcément des émules sur le territoire. Pour nous, c'est un des éléments majeurs. Je vous disais qu'une entreprise s'implante quand le salarié a envie de vivre sur le territoire, mais il s'implante quand il trouve un logement, quand il peut se déplacer, quand il peut se soigner. Je crois que c'est essentiel et je pense forcément à toutes les personnes qui sont en difficulté et le contrat local de santé nous permettra de mieux organiser le parcours de soins sur le territoire qui est un des éléments de notre stratégie. J'en terminerai par là. L'aspect culturel aussi aurait pu être abordé. J'aurais pu évoquer le conservatoire que l'on va étendre sur la presqu'île. J'aurais pu évoquer tout un tas d'autres projets. J'ai voulu dessiner cette année 2024 avec vous, continuer à promouvoir la motivation qu'il y a dans ces rangs. Et à ce titre-là, je terminerai par la fin. On dit souvent que les meilleurs sont à la fin. Je voudrais saluer l'ensemble des vice-présidents et des conseillers communautaires de l'agglomération qui œuvrent chaque jour à ce projet intercommunal. Ça veut dire tisser des liens. Tisser des liens autour d'un récit, important sur notre territoire, l'eau, la rivière, le courage de nos habitants. Je tiens à saluer aussi l'ensemble des services de la communauté qui sont force de proposition, qui m'accompagnent et je mesure au bout de 2 ans, au bout de 10 ans de mandat local, au bout de 2 ans de présidence, 3 ans de présidence de Cossénaglo, je mesure à quel point je vous dois énormément, vous, les conseillers, les vice-présidents et les agents. Et je compte sur vous encore pour l'année 2024, pour mettre beaucoup d'énergie. Et l'année 2024 sera l'année des conseillers municipaux, puisque je ferai le tour de l'ensemble des conseillers municipaux, dans tous les conseils municipaux des 50 communes de Cossénaglo, pour discuter des projets, améliorer, encore faire en sorte que ça s'adapte à chacun des territoires, que vous soyez un petit village de Cossénaglo, que vous soyez une grande ville, que vous soyez aussi concerné ou pas concerné par les projets industriels. Je crois qu'il faut emmener tout le monde dans le bateau. Ce territoire a une force phénoménale. Je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement, les partenaires que j'évoquais tout à l'heure, mais vous, l'ensemble des élus, l'ensemble des entreprises, des associations, des forces vives du territoire, parce que sans vous, on n'y arriverait pas. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très, 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 très belle année 2024. Et n'oubliez pas, le territoire a une vision stratégique, donc vous devez aussi avoir des projets. Avec la santé, vous aurez des projets. Et surtout, surtout, c'est ma marque de fabrique, je vous souhaite pour l'année 2024 tout simplement beaucoup d'amour. Merci à vous.